Bonjour à tous. La leçon d'aujourd'hui, on va voir comment créer un reflet à l'aide de la leçon précédente quand on a créé déjà une icône. On va lui appliquer un reflet. CTRL E pour associer tous les calques et on duplique le calque et on sélectionne à l'aide du CTRL T. Bouton droit symétrie axe vertical. Et on déplace légèrement en bas. Voilà notre icône. Validée. Maintenant, on va lui appliquer un masque vectoriel. La voici. Vous cliquez. Un simple clic. Vous sélectionnez le dégradé noir-blanc. OK. Et vous lui appliquez un léger filtre de cette manière, d'en bas vers le haut en appuyant sur la touche Shift. À tout à l'heure, vous étiez avec Vidéo Formation. Merci.